Monsieur de Fürstenberg, Monsieur de Fürstenberg, j'ignore quelle fut votre place dans la vie, du temps de votre vie, du temps de votre vie, mais aujourd'hui, Monsieur de Fürstenberg, Monsieur de Fürstenberg, votre place a pris tant de place pour moi. Moi, je suis né dans la banlieue parisienne, milieu modeste, mais d'une richesse émotionnelle incroyable. Mes parents sont des émigrés, juifs séfarades. Mon père était l'aîné de quatre frères, Raphaël, et qui faisait les marchés tous les quatre. Et ma maman Sarah, elle aussi, a les mêmes origines. Ils sont venus tous les deux de Turquie. Mon père est venu, il avait 18 ans, je crois. Ma mère avait 2 ans. Ils se sont rencontrés en France. Et c'était une première enfance incroyablement joyeuse et faite de tendresse. On se retrouvait tous les dimanches chez Victoria, ma grand-mère, la mère de mon père. Et puis rentraient les frangins, affamés, joyeux, espiègles. Et ce qui m'a ému, c'est que ma grand-mère, Victoria, n'a parlé que le ladino toute sa vie. Tu sais, l'espagnol pur d'avant l'Inquisition, quoi. Alors, elle chantait des chansons ladino et tout ça. Et puis, il y a eu l'arrivée de la guerre. Moi, je suis né en 34. Ils sont partis, ils partiront toujours, toujours. Là-bas, là-bas, ils vont mourir au jour, le jour. Car c'est vers la gloire ou vers le trépas qu'ils sont partis en marchant au pas. Parmi eux, ton amour marchait du même pas. Et donc j'étais à Lisbonne. C'était 1959. Et ça, c'est passionnant parce que c'était le Lisbonne de Salazar, hein, la dictature. Et la dictature, tant qu'on ne l'a pas vécue, on pense que c'est de l'opérette, mais ce n'était pas de l'opérette. J'avais mon blue jean, une guitare, j'étais arrêté par les flics 3 fois par jour. Et je chantais quand j'avais envie, dans un petit restaurant italien qui s'appelle le Sorrento. Quand j'avais envie, il suffit que je prévienne le mec la veille. Et comme il y a un gros noyau de culture française à Lisbonne, il y a des gens qui venaient écouter le petit français. Et un jour débarque Sivuca, un noir albinos qui est mort il y a peut-être 2-3 ans, figure emblématique de la musique brésilienne, qui par la suite est devenu chef de musique de Miriam Makeba, d'Ari Belafonte et tout ça, un musicien incroyable. Et là, ça a été là le choc, vraiment, vraiment. J'allais l'écouter toutes les nuits, on est devenus potes, et j'avais jamais imaginé des enchaînements harmoniques pareils, quoi, tu vois. Et donc j'étais chez un disquaire pour lui demander Chega de Saudade, que Sivuca m'avait fait découvrir. Le disquaire cherche un peu, puis dit « Ah, il y a un disque qui vient de sortir, voilà. » Je dis « Ouais, je ne veux même pas savoir qui chante, tout ça, j'achète. » Et c'était le premier disque de Juan Gilberto. Et là, ça a été un choc. « Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Lorsque l'orage vient, je goûte. » La terre qui se change en parfum, et si la pluie pèse ses gouttes, je chante auprès de mon arbre, j'en attends la fin.